Bonjour, bonjour, bienvenue à bord. Nous sommes en Corse en ce samedi matin et nous allons traverser un petit bout de la Méditerranée pour rejoindre les côtes françaises et aller jusqu'à Nice. Un vol court de moins d'une heure et j'ai déposé le plan de vol pour dans 5 bonnes minutes. Normalement, l'avion est tout prêt. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié la finale qu'on va faire directement. Memo panel, fuel quantity, on a pour 3 heures de vol, trims, ça a l'air d'être ok, altimeters 1009, comme nav, j'ai pas encore mis, alors comme nav, tac, donc ici on a Marseille contrôle, 126-155. 126, 155. Ici, transpondeur 1000. Voilà, Marseille Contrôle. Donc, comme nav, c'est bon. Power Management, take-off. Parking Brake, 7. Et performance, donc comme d'habitude, V1VR 105 et V210, V2 plus 515. Donc la finale est complète. Un petit briefing. Donc je nous ai Marseille mis Control, good morning, sur A8. Swiss 217 Sur Victor, A8, donc heavy c'est-à-dire level 3 vers 6. 7 0 inbound, On peut décoller par Pimac Victor. en piste 34. Je pense que ce sera la 34. Vent du Nord. Ensuite, on enchaîne une site qui nous amène à Kerit. Donc, léger virage à droite, c'est une sidernave. Donc, c'est Kilo Bravo 510 et 217 Kerit. Victor Heavy identified, push direct Vatir intersection. Donc, on a 340. 217 340, puis. Jusqu'à 430 pieds et puis virage à droite au 0,17. Tac. Donc 0,17 comme première route et donc je retiens 440 pieds, c'est l'altitude du virage. 407 Juliet, On n'a pas d'initial clearance. Pour I'll be l'instant, j'ai running mis about 4 000 15 nautical mille. miles, Sky 407 Juliet. 407 Juliet, when ready, push descent flight level 150. Et When ready, descending bien flight level voilà, on va 150, Sky 407 s'arrêter là Juliet. pour le briefing. Donc Mike est en face. Ce qu'on peut faire, c'est demander la mise en route. Alors est-ce qu'on a une certaine information ici? Comment on fait ça encore? Tac, Deatis, KB, on n'a rien. Donc on va leur dire Marseille Contrôle, bonjour, R Saint-Pierre 1121 à Bastia. Et pour la mise en route vers Nice. Marseille Contrôle, bonjour, R Saint-Pierre 1121, nous sommes à Bastia pour la mise en route vers Nice, s'il vous plaît. R5-Pierre 11-21, bonjour, je vous rappelle. 1121. Donc on attend quelques minutes, il a d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant la mise en route? Donc, personne à droite. Réponse 11-21, prêt à copier. Affirme 1121, sommes prêts à copier. Saint-Pierre 11-21, mise en route approuvée pour Nice, un départ Kérit 6 novembre, piste 34, niveau initial 100, transpondeur 54-10. La mise en route approuvée vers Nice, un départ Kérit 6 novembre, piste 34, le niveau 100, 54-10 au transpondeur, Saint-Pierre 11-21. Saint-Pierre 11-21, relecture correct, rappelé pour rouler. Rappellerons pour rouler Saint-Pierre 11-21. Alors, niveau Marseille 6. Control, Swiss 217 Victory, climb flight level 390. Swiss 217 Victory is approved 390. Alors, le Climb niveau flight 100, level 390, 6 Swiss novembre. 217 Victory, thank you. Alors, il faut que j'aille le chercher. Kérit, 6 novembre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, en effet, c'est différent. Donc, Kérit
6 novembre, piste 34. Straight ahead to 430 pieds, virage à droite. Donc ça, c'est identique. Intercepte BTA, radial 0,12. Hop, 114,15, radial. Donc course 12, 0,12 jusqu'à 14 nautiques. Virage à gauche et intercepte Elbe, radial 278. Elbe 114,7. Marseille, bonjour, Rossia 1252, pour FR Radio sur Nice. D'accord, donc c'est toujours premier virage à 430 pieds, on vire à droite jusque pour intercepter radial 012. Ok, donc il faut que je mette à jour dans le GNSS. Départ, ici c'est Kerit 6 novembre. BT 27A, alors piste 34 341 au 012 15 nautiques 278 BT 27A et Kerit. Et ben c'est parfait, ça c'est ce qu'on veut. Donc 54 10 au transpondeur, 54 10. Et voilà qui est bon. On va mettre en route. Du coup, c'est clair. La pompe, beacon, starter 2. Hop, fuel open, ignition, oil pressure. Allez, le NH n'augmente pas. Ok, 45%, starter off. Paramètres stabilisés, on va démarrer le 1. Hop, fuel open, ignition, oil pressure, forty-five pour cent, starter off. Ok, paramètres stabilisés, starter off. On va enlever l'external power. On peut mettre les sondes, volet 15 et volet sort. On va faire l'after before taxi, disons. Alors, doors close, propeller brake, c'est pas encore le moment. Condition lever, pardon, parking brake, c'est pas encore le moment. Ah non, c'est je saute cet item ici, d'accord. Condition lever auto, non, d'ailleurs, j'ai oublié ça. Que j'ai fait dans le mauvais ordre, fallait d'abord mettre auto, puis ensuite mettre les volets et le chauffage. Charlie 07 Juliette descend, flight level 70. Et d'ailleurs, normalement, j'aurais pas dû Scenic rentrer 5 dans ici. 70, Sky 07 Juliette. Le modèle est pas parfait. GPU, c'est bon. Et transpondeur, je l'ai mis. Donc, before taxi complete. FKB sol. Marseille contrôle Saint-Pierre 11-21, nous sommes prêts à rouler. Un départ depuis Mike, nous irait. Saint-Pierre 11-21 reçu depuis Mike, piste 34, appelé prêt. Roulons Mike et rappelons prêt piste 34, Saint-Pierre 11-21. Frein essayé. Alors, les menaces, il n'y en a pas.
Bon, on va quand même faire les petits items de mémoire. Donc avion, on n'a rien. Infrastructure non plus. La météo, c'est nickel. Équipage, environnement, comme d'hab. L'équipage est solitaire et pas très rodé. Et environnement, rien de spécial. This is Alger Mike, hello, sir, identify distance flight level 330. Distance 330, Lufthansa Alger Mike. Brakes check, auto flight control system, heading cell low bank IAS V2 plus 5, alt cell au niveau 100. Probes anti-icing, pas besoin. Take-off briefing complete. Distance 08 Mike, proceed direct Vatir intersection. Donc, porte et coffre action, ils vont mettre le TICAS, le transpondeur, le radar, je l'ai mis juste avant, TICAS est là, on va mettre range 20, flight control check, strobe. Sky 07, Juliet descent altitude 2000 feet, QNH 1009R, after Robota, clear RNPFR runway. Extérieur light, radar, transpondeur, TICAS, flight control, il me restera. Descending 2000 feet, QNH 1009R, and after Robota, clear RNP Alpha, approach runway 35, Sky 007, Juliet. Sky control, good evening, Italia 3154. Italia 3154, hello sir, squawk 1000. 1000, Italia 3154. Saint-Pierre 1121, prêt au départ depuis Mike. Saint-Pierre 1121, vent sur Bastia 20 degrés 5 nœuds, piste 34, autorisé décollage. Autorisé décollage, piste 34, Saint-Pierre 1121. Alors, donc, c'est donc les strobes, j'ai déjà mis. Italia 3154, identified, proceed direct, Nildu, intersection, distance, actual 350. Gauche, les caps vont diminuer. Inbound, we've caught it, and descend 350. Italia 3154, proceed direct Nildu, intersection November, India Lima, Delta Uniform. Okay, Roger, November, India Lima. Chrono, autorisé décollage. Donc on aurait ATPCS armé, puissance affichée. Nœuds, commande tenue à gauche. V1 rotation. Vario positif. Train sur entrée. 430 pieds, virage à droite au 012. On y est. Tac. Virage à droite. Alors accélération. Hop, manette dans l'écran. Séquence montée. Donc on va accélérer. Saint-Pierre 21 identifié via CID montée niveau 180. Via la CID montée niveau 180, Saint-Pierre 21. Alors 180, il faut que je l'affiche. Allez. Ok, niveau 180. Donc j'en étais, j'accélère. Power Management Climb, j'avais oublié le taxi, d'accord. Donc on n'a pas encore bug blanc. Donc là normalement pour le départ hein, c'est pas bon, j'aurais dû partir en
Puck blanc volet 0. J'aurais dû afficher le vor. Voilà, tac, je suis pas tout à fait sur ma route. Ouh là là, je descends. Donc Puck blanc plus 10, on va prendre iBank. Donc là je vais chercher ma radiale jusqu'à non, c'est pas la bonne charte, c'est vraiment très dur tout seul. Bon, je suis sur la radiale. Pour me soulager, je vais repasser en FMS, mettre le mode VOR et l'autopilote engagé. Marseille, bonjour, de Roissy à 1252 sur Nice, Roissy Radio. After takeoff, check. Roissy à 1252, bonjour, 5. Landing gear. Le Roissy à 1252, donc flight. Sur Nice en 26R cargo, ce serait pour Vatry. Lime, NP82. Le Roissy à 1252, mise en route approuvée pour Vatry, un départ octet 6 alpha, piste 04 droite, niveau initial 130, transpondeur 1000. Takeoff complete. Où est-ce qu'il va là? Donc octet 6 alpha, là 04 droite, niveau initial 130 et transpondeur 1000, Roissy à 1252. Roissy à 1252, relecture correcte. Qu'est-ce qu'il fait ce guidage? Ah, il a pas séquencé. 11-21, Marseille. Standby 11-21. Alors donc là, il faut que je fasse un direct D013N. Et bonjour, Sofis 256 avec vous sur Bastia, pour la Pierre. Sofis 256, bonjour, mise en route approuvée pour Genève, un départ AQT de Québec, piste 34, niveau initial 100, transpondeur 1000. Transpondeur 1000, niveau initial 100, AQT de Québec pour la 34, Sofis 256. Sofis 256, lecture correcte, rappelé pour les. Le Saint-Pierre 11-21, je vous écoute, ici un problème de suivi de CID, on a récupéré l'avion qui faisait un virage du mauvais côté. 11-21 reçu, dès que prêt, procédez direct Kerit. Direct Kerit, Saint-Pierre 11-21. After takeoff complete, on peut regarder un tout petit peu le paysage. Alors, on vient de partir de Bastia. Tac. Enfin, comme quoi il faut le Cap Corse, comme quoi il faut surveiller l'avion. Donc le FMS, c'est de ma faute, il avait pas séquencé. Donc quand j'ai engagé l'AP, il a fait demi-tour pour revenir à un point qui était derrière lui, qui n'avait pas séquencé dans le plan de vol. Alors, action niveau 100, strobe non, donc landing, seat belt, transpondeur, cabine, pressurise.
18 000 altitude et pas 18 100. Alors donc qu'est-ce qu'on aura à faire? On aura à faire ben on peut déjà préparer notre arrivée. Saint-Pierre 1121 pour info, arrivée, l'approche sur Nice, RNP Alpha 04 gauche, dès que prêt, procédé direct Bisbo. On prévoit la RNP Alpha 04 gauche et direct Bisbo, Saint-Pierre 1121. Je l'ouvre, tac, tac, et je fais un direct bis. Swiss 217 Victor AV, you're leaving my space, Swiss Unicom 122 decimal 8, have a nice flight. Unicom 122 decimal 8, Swiss 217 Victor Hotel. Ici, j'ai plus besoin de ça. Prêt pour le repoussage, Rossia 1252. Rossia 1252, repoussage approuvé face au sud. Repoussage face au sud de Rossia 1252. Alors, est-ce que là, donc l'avion va bien, toujours en montée, j'ai oublié de passer 1013, 13200, cross-checked, l'arrivée. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? 1000 avant. Donc déjà, il faut que je calcule ma mise en descente. Donc ma mise en descente. RNP alpha, j'ai dit que je dois être à 3000 à Bisbo. Je suis au niveau 180, ça fait 15 000, ça fait 8 minutes. 8 minutes à facteur de base 5, va-t-on dire. 4. De base 4, on va dire 5, 5 fois 8, 40, à 40 nautiques de Bisbo, je suis à 86. Donc ça c'est bon, il me reste une dizaine de minutes pour préparer tout ça. Cruise, je suis en cruise, enfin pratiquement, je mets Power Management Cruise. Et la cruise check, Power Management Cruise, Cruise Torque, TCAS, Flight Condition, on est en normal. Donc cruise checklist, complete. Ensuite, si on reprend la préparation, donc à 42 Bisbo début de descente, on vous révoit la RNP Alpha piste 04 gauche. Donc Bisbo, ensuite je n'ai pas les points qui correspondent, donc comment je vais faire, je ne sais pas. D'accord, donc MN04 Alpha, il a 5 nautiques de CGS 109.2, donc ça je peux lui mettre. D'ailleurs, je vais le mettre de ce côté-là. CGS, je capte pas pour l'instant, ce qui paraît à peu près normal. Alors, donc à 5 nautiques de CGS, j'ai MN04. Avec grand plaisir, et merci surtout pour le contrôle, 113, vraiment, et pour le direct. Et à tout à l'heure, on fera une rotation supplémentaire. Merci pour le passage, très bonne journée. Ah oui, de même, très bonne journée pour l'appétit.
faut que je sois à 185 nœuds. MN04 alpha à 2000, d'accord. Et donc à 8 nautiques, je commence la descente. Ok. Donc à 8 nautiques de CGS, je commence la descente de 3000 à 2000. Je maintiens le palier à 2000. Et à 5 nautiques, il se passe rien en fait. Non, à 5 nautiques, je continue. Donc c'est à 8 nautiques. 8 nautiques de CGS, début de descente de 3000 à 2000. Et ensuite, c'est une visuelle, hein, donc j'intercepte. Axe final 0,43. Ça, je peux déjà le mettre. Et j'intercepte le papy pour la 0,4 gauche. Climb straight ahead when passing hospital Lanval, 5 nautiques, turn right 110, climbing to 3000. D'accord, donc ça c'est si je rate. Et donc 2000 pieds, d'accord, les minima 2000 pieds. Bon, bah c'est pas mal. Et 353, 354, c'est le bon cap. On est pas mal, hein. Ça va être intéressant, c'est la première fois que je fais cette approche. Donc on est en alt. Et la mist approche ici, elle nous fait faire quoi? Uldaneros. Flight condition normal, landing data card, donc vitesse finale retenue 110 et bug blanc 130, bug rouge 150. Descent checklist complete. Donc les menaces, l'avion n'a aucune panne. Infrastructure. Rien de spécial. Donc je vais dégager peut-être par Charlie 1 ou Fox 1. Et mon parking c'est vers Tango. Infrastructure, pas grand chose. Voici à 1232, on a une alarme moteur, est-ce qu'on peut checker en stand-by et je rappelle. Météo. 1252 HM, rappelez près. Météo. On rappelle près, Voici à 1252. J'ai rien. Équipage, environnement, bah donc. Donc équipage comme d'habitude.
Donc, on a deux pistes, c'est la 04 gauche. Ça, rien de spécial, donc c'est la VP. La 12-3. Donc la MSA dans notre secteur 3100 pieds, on fait route vers Bisbo qui est ligne initiale fixe. On doit y être à 3000, pour ça on descend dans une dizaine de nautiques. Ensuite à 8 nautiques de CGS. On capte toujours pas 109.2, c'est pourtant bien la bonne fréquence. Et si je le mets en actif ici, on capte toujours pas 109.2, d'accord. Bon, donc à 8 nautiques, je descends de 3000 vers 2000 en haut, donc axe 354. Comment je vais voler ça en heading? Ah non, en fait la route est bonne hein, jusqu'au map, donc je peux rester en LNAV et verticalement en VS comme d'hab. Si je remets les gaz avant MN04, le map, je suis ce qu'il y a ici. Qui nous amène à Neras pour holder, et sinon je suis là, donc c'est 2000 au minima, et sinon je suis la VPT. Ah, c'est compliqué à voler ça. Bon, j'ai demandé la descente. Marseille contrôle, Saint-Pierre 11-21, nous sommes prêts à débuter la descente. Saint-Pierre 11-21, descendez niveau 7-0. Descendons au niveau 7-0, Saint-Pierre 11-21. Donc Alt-Cell, le niveau 70, Vertical Speed moins 2000, je réduis la puissance. Bisbo 190 et ensuite la VPT 185 à MN04. Donc je vais réduire à 170. Rossiga 1252, donc problème résolu. On peut vous rappeler pour le roulage dans 10 minutes. Rossiga 1252, c'est reçu, rappelez prêt au roulage. Rappel prêt au roulage, Rossiga 1252. Donc avant Bisbo, il faut que je décélère. Je vais décélérer directement vers 170, que je maintiendrai jusqu'à l'approche finale, et ensuite donc les 2000 pieds je sortirai conf 15 volets train et final pour être stabilisé à 500 pieds vu qu'on a vu. C'est ça le plan. Je capte CGS. Comme ça, j'aurai les déviations.
Alors il me reste combien à perdre? Donc 3, 7, 8000 pieds, 8000 pieds. Ah, ça fait 4 minutes, 4 fois 5. Ouais, je peux réduire le vario. 1005. Alors, ça c'est 256 roulage, point d'attente piste 34 à peu près. Lumière, le ticket, oui, son stand-by vérifié. Prochaine action, je vais mettre en palier à 7000 pieds parce que je suis pas clearé pour plus bas, il faudra que je remette un peu de puissance. Et ensuite de 7000 à 3000, ça fait 4, ça fait 2 minutes à 10 nautiques, au plus tard à 10 D'accord, tu as 19 à faire remettre prêt pour le repousser.19 Alpha Romeo, mise en route, repoussage face au sud approuvé en fonction du 737-600 Caravelle derrière vous qui va descendre. Air Corsica 19 Alpha Romeo, je repousse face au sud et je maintiens la vue sur le 737. Corsica 19 Alpha Romeo, mise en route, repoussage approuvé face au sud en fonction du 737-600. Donc vous repousserez après qu'il soit passé. Mille avant. Et donc là, comment je dois comprendre cette carte? Je dois voir la piste. Corsica 19 Alpha Romeo, repoussage approuvé face au sud après le 737. Descendez d'altitude de 3000 pieds, QNH 1009 après Bisbo, autorisé à approcher RNP Alpha 04 gauche. Descendons 3000 pieds, 1009 et après Bisbo, autorisé RNP Alpha 04 gauche, Saint-Pierre 1121. Donc 3000 pieds. 256, départ 34. 256, vent 100 degrés, 7 nœuds, piste 34, autorisé décollage. Donc 3000 pieds. Piste 34, autorisé décollage. 1009. 9, c'est check, 6600, cross check et après Bisbo, autorisé RNP Alpha. Donc approche check, passenger notices. On, TICAS, on va laisser sur 20, altimeters cross-check, cabine altitude, elle est normale, speed versus AOA c'est en normal, et approche type c'est une approche à vue. Action 5000. On voit pas grand chose hein, malheureusement. Mais la côte est plutôt à droite.
la vis n'est pas excellente. Donc 3000 pieds, ok, 1000 avant. Donc là on a dit, je continue jusqu'à 8 CGS. À 8 CGS, descente vers 2000. Et à 5, je dois voir la piste. Sinon, je suis parti. Corsica 19 Alfa Romeo, pour info, le trafic est largement passé, vous pouvez repousser. Halt. Corsica Alpha 19 Romeo, oui, excusez-moi, je viens de voir que le 700 était passé, je repousse immédiatement. Donc, je vais essayer de maintenir à peu près 190, 3000 pieds, on est bon. Saint-Pierre 11-21, vous êtes en bonne condition pour la RNP? Pour l'instant, je suis un petit peu dans la brume, je vois pas encore la côte. Laissez-moi encore 2 minutes et je vous réponds. 21 reçu, rappel en vue. Je vous rappelle en vue, Saint-Pierre 21. Bon, attention à la vitesse. Top 6 de 56, pour moi je vous vois toujours au sol pour info. Ah, je déco, je recours alors. Bonjour, Mirabel 15, Zulu Alpha sur Marseille. Top 6 de 56, transpondeur 1000. Ah, ça va sauter, c'est sur 1000 maintenant. Top 6 256 identifié, monté niveau 300, direct octet. Direct octet, c'est niveau 300, top 6 256. Mirabel 15, Zulu Alpha, bonjour. Oui, Mirabel 15, Zulu Alpha, on souhaiterait la mise en route pour Lille, s'il vous plaît. Mirabel 15, Zulu Alpha, mise en route approuvée pour Lille, et Trek 6 Sierra au départ, piste 13 gauche, niveau initial 100, transpondeur 1000. En mise en route approuvée, départ est Trek 6 Sierra, piste 13 gauche, niveau initial 100, transpondeur 1000, Mirabel 15 Zulu Alpha. Mirabel 15 Zulu Alpha, relecture correcte. Ah, ça y est, bonjour, il est en tête. Deux stations en même temps. Ah, ça va aller, je pense, je vais voir. Alors, nous avons entendu une demande de roulage. 0106, bonjour Marseille. 0106, bonjour. 0106, c'est en route UFR à destination de Bordeaux. Dans deux notifs. 0106, reçu. Vérifier niveau final, 340 ou 320. 340 et 0106. Je laisse modifier, rappelez-moi après à copier. Allez, je descends vers 2000, vertical speed, moins 1000.
0752 pour la roulage 07 droite. Focia 1252 reçu, le trafic devant vous, 320 Air Corsica, fini le roulage, fini le repoussage, je vous rappelle. On maintient, Focia 1252. Saint-Pierre, Rose 21, vous êtes en vue du terrain? Affirme, en vue du terrain, 1121. Saint-Pierre, 1121, vent 100 degrés pineux, piste 04 gauche, autorisé atterrissage. Autorisé atterrissage 04 gauche, Saint-Pierre 1121. Donc 5 nautiques, qu'est-ce qui se passe? C'est d'accord, c'est le map, donc là je suis en vue, donc je maintiens 2000. Alt, 170. Donc là, et c'est à moi d'aller chercher la déviation. Il faut que je me mette en mode... ILS, tac, voilà. Je suis au-dessus du glide. Sans Corsica, piste 9 Alfa Romeo, donc maintenant estimez-vous le roulage. Corsica 19 Alfa Romeo, je serai au roulage. Corsica 19 Alfa Romeo, roulez pointante Alfa, unité, piste 04 off, gauche, via off, Charlie et Tango. Volet 15, je vais chercher 140, train sur sortie. Air Corsica 19 Alfa Romeo, je roule jusqu'au point Alpha, unité, piste 04 droite, via Charlie Tango. Corsica 1252, roulez tout droit, point d'attente Charlie, unité, piste 04 gauche. Tout droit, Charlie, et fin d'attente 04 gauche, Rocket 52. Volet 30. Ouais, cap-pied pour Bordeaux, étant 068. Détour 066, départure Ipsis Alpha. Niveau initial, scan, transpondeur 1000, piste 04 droite en service. Donc landing gear sortie 3 vertes. Flaps 30, Alpha, niveau 100, 04 droite en service. C'est une réserve 66, réacture correcte, QNH 1009, rappelé prêt au repoussage. Pour landing complete. Donc 110 nœuds. C'est une réserve 66, Marseille. Ah merde, j'ai pas sûr d'être obligé de... L'afférence pour le QNH 19, on rappelle pour le roulage, il est en repoussage, pardon, il est en 0,106. Ah oui, il faut donner le QNH, c'est obligatoire. On pensait vous le donner au niveau du roulage. Donc j'ai un peu devant de la droite, j'arrive à peu près sur le papy. 110 nœuds. Voilà, je suis sur le papy. Donc stabilisé, on continue. C'est un peu dur, je pense. Corsica 19 Alpha Romeo, oui, pour info, tout droit, Tango et Alpha Unité, monsieur. Alors, je suis posé. Saint-Pierre 21, bienvenue à Nice. Un parking de préférence? On avait prévu le parking 63 si possible. Eh bien, 21, la prochaine à gauche, Fox Trot Unité, parking 63, rappelez pour quitter. Et prochaine à gauche, parking 63, on vous rappellera pour quitter Saint-Pierre 21. Voici à 1252, traversez la piste 04 gauche, roulez point d'attente Whisky 3, piste 04 droite, rappelez prêt. Fox Unité à gauche.
Bush Mirabel 15 Zulu Alpha. Orsia 1252, traversez la piste 04 gauche, roulez point d'attente Whisky 3, piste 04 droite, rappelez prêt. Mirabel Zulu Alpha, roulez point d'attente à convenance, piste 13 gauche, rappelez prêt au départ. Alors... On rappellera pour au départ, Mirabel 15 Zulu Alpha. Probe... Orsia 1252, Marseille. Marseille Control, hello Ryanair, 35 Sierra Hotel, flight level 340 inbound, Cotit. Ryanair Sierra Hotel, good morning, identify, descend flight level 330. Flaps. 330 Ryanair, 35 Sierra Hotel. Radar. Top 6 256, procédé direct Guinness. Ok, after landing. Direct Guinness, top 6 256. Le sol, on va mettre le parking même de Nice. Corsica 19 Alfa Romeo, traversez la piste 04 gauche, ou les points d'attente Alfa 3, 04 droite, rappelez prêt. Taxi on. D'accord. Merci à 1252, pour l'attente Charlie Unité, 04 gauche. Merci à 1252, je vous demandais deux fois pour traverser, donc traverser à 04 gauche et maintenez avant Charlie 2. Donc ensuite ce sera. C'était vous êtes aussi à Corsica, pas Rossi à 1252, correction Marc. Oui, précédemment, mais avant je vous ai rappelé deux fois. Mais c'est pas grave. Traversez la 04 gauche, maintenez Charlie 2, piste juste avant la 04 droite. Donc là, normalement, ça doit être Tango. Charlie 2, jusqu'à la 04 droite, Rossi 1252. Voilà. Corsica 19, Alfa Romeo, Marseille. 61, c'est pas la première, ça doit être la suivante. Corsica 19 Alfa Romeo, problème de fréquence, je suis revenu sur la fréquence, excusez-moi. Corsica 19 Alfa Romeo, traversez la piste 04 gauche, roulez tout droit, Alpha 3, piste 04 droite, rappelez prêt. Corsica Alpha 19 Romeo, je roule tout droit, je traverse la piste 04 gauche jusqu'au point Alpha 3, jusqu'au point 04 droite, je rappelle prêt. On va se mettre ici, allez. 40 Charlie pour la mise en route. Victor Jean 106, repoussage approuvé face au sud, rappelez pour rouler. Approuvé face au sud, on vous rappelle pour rouler. Corsica 1252 en fonction du 320 Air Corsica, roulez point d'attente Whisky 3, piste 04 droite, rappelez prêt. On va dire que le GPU est dispo. Tac, le 2 coupé. On reste derrière le Corsica, Whisky 3, Corsica 1252, 04 droite. Et Saint-Pierre 1121 au parking, merci pour le contrôle, quittons la fréquence. 1121, merci du passage, bye bye. Alors, tac, hop, disconnect, yes, l'atterrissage n'était pas terrible, on va regarder ça, et je me suis retrouvé très haut, c'est ça mon erreur, donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Un petit peu devant de la droite, ça c'est normal que le nez pointe à droite. Je crois que j'ai pas vraiment décrabé, non, aucun décrabage.
j'arrondis un peu haut, du coup je m'écroule à la fin. J'arrondis un peu haut là. Ouais. Enfin, ouais, ça aurait été un atterrissage un petit peu dur. Et je crois que la vitesse était aussi trop 30, faible. 20. Ouais, j'ai 100 nœuds. J'ai moins de 100 nœuds au lieu de 110. Donc c'était en effet pas terrible. Et alors pourquoi je me suis retrouvé haut? Parce que j'ai pas bien lu cette procédure à vue en fait. 2000 pieds. En fait, moi j'ai maintenu 2000 pieds ici. J'ai maintenu 2000 pieds jusqu'à voir la piste, mais c'est pas ça. En fait, c'est sur une descente continue. Donc au niveau du cap d'Antibes, j'aurais dû continuer la descente. Bon, heureusement, c'est un ATR, donc je peux rattraper assez bien. Mais sinon, j'aurais pu me faire avoir. Allez, on va s'arrêter là.